Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous me rejoignez, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et à me laisser vos commentaires. C'est hyper important pour moi. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation de la prescription lab du mois de janvier, donc nouvelle année. On va voir ce qu'elle nous réserve, sachant que tous les thèmes à peu près, c'est détox, etc. On va voir ce qu'elle contient ensemble. Si cette box vous intéresse, j'ai un lien de parrainage que je vous mets juste ici. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Ça vous permettra de faire une belle économie sur votre première box. De toute façon, tous les codes et les bons plans que vous retrouvez sur ma chaîne, vous les avez tous en description de vidéo. Concernant le packaging, on a un packaging sobre, épuré, bleu bébé, bleu ciel. Ce que je pioche en premier lieu dans ma box, c'est le prescripteur. Il s'agit du magazine mensuel que vous retrouvez tous les mois dans votre prescription lab. Vous y retrouvez à l'intérieur des articles féminins, vous y retrouvez également la description de vos produits. Et bientôt, c'est les soldes, vous avez jusqu'à moins 60% sur le shop. Ah, on a un petit horoscope à l'intérieur, donc moi je suis poisson, je suis du mois de mars. On va voir ce que me réserve cette nouvelle année. Jupiter, l'expansion, le bien-être, l'optimisme s'installent pour 5 mois dans votre signe. Pourquoi que 5? Vous voilà porté par un puissant vent d'amour, de créativité et d'inspiration. Vous êtes sur un petit nuage côté cœur et relationnel. Des amitiés nouvelles se construisent dans un contexte de grande confiance et de partage. Je pense à quelqu'un en lisant ça, je pense à toi, Jenny. La pleine lune du 17 janvier révèle un nouvel amour ou la solidité d'une relation déjà entamée. Super, je valide cet horoscope en espérant qu'il soit vrai. Ce que je pioche en tout premier lieu, c'est ceci, donc une superbe marque, la marque Caudalie. Je vous mets ici à chaque fois les prix parce que dans le magazine, il n'y est pas, donc je vous l'inscris à l'écran. Donc là, on a le produit Vinergétique C+. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez reçu, hein, bien sûr. C'est un soin 3 en 1, vitamine C, anti-fatigue, j'en ai bien besoin. Éclat, hydratation, anti-pollution. Vous avez de la vitamine C+, de l'acide hyaluronique et du polyphénol à l'intérieur. On a un format vente de 40 ml. Je pense que c'est pas donné. Les polysaccharides, carides, ils empêchent l'adhésion de la pollution sur la peau. L'acide hyaluronique hyper hydratant, il repulpe notre peau à plat. Et enfin, les polyphénols de pépins de raisin, antioxydants, ils protègent notre peau des agressions extérieures comme par exemple la pollution. Pour le rituel d'application, matin et soir, appliquez quelques gouttes de soin sur votre visage et votre cou propre et sec. On va voir comment ça se présente de suite. C'est une petite crème qui se présente donc comme ceci. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez, si vous l'avez déjà testée. Je ne sais pas si c'est operculé, non. Je sens pas d'odeur en tout cas comme ça, je vais pas appuyer, je vais pas sortir la crème ou le sérum, le soin, parce que j'ai déjà des crèmes, des sérums en cours. Bon, c'est plutôt pas mal pour commencer une nouvelle année. Je m'attends de toute façon à beaucoup, beaucoup de soins dans les box. Voilà, une routine anti-fatigue, détox et compagnie. Je pense que toutes les box seront dans ce thème-là. À moins qu'on ait des surprises. Je pioche ensuite... Ah, alors, une huile que je connais, que j'ai beaucoup, beaucoup reçue dans ces derniers temps. Bon, elle est très, très bien. C'est de la marque Myra. C'est le Skin Fizz Orange Douce et Menthe Poivrée. Massage visage. Alors par contre, ce produit-là, je ne l'ai pas reçu. J'ai reçu des produits de cette marque, beaucoup ces derniers temps, mais pas l'huile visage, il me semble. D'où vient-elle? Une huile Myra, c'est une huile hyper facile à suivre. Toutes les matières premières utilisées viennent soit de Madagascar, soit de France. La marque veille de près au respect de la nature et des conditions de travail de leurs collaborateurs, que l'on parle des producteurs ou même des artisans. Donc à l'intérieur, vous y retrouvez de l'huile essentielle de menthe poivrée qui apporte sa fraîcheur à la formule. Il y a également de l'huile essentielle d'orange douce qui aide la peau à se rééquilibrer. De l'huile de jojoba qui protège, nourrit et adoucit la peau. Et pour finir, l'huile de pépin de raisin qui a une texture idéale pour l'automassage. Vous avez un format pipette, c'est un format en verre. Rituel d'application, le soir, appliquez une pipette d'huile sur votre visage propre et sec avant de masser doucement votre peau de l'intérieur vers l'extérieur pour faire pénétrer le produit en profondeur.
J'avais reçu un produit cheveux qui sentait l'orange et la cannelle, je crois. Une pépite. Ah, alors j'ai des petits prospectus au fond de ma boîte. J'ai donc un prospectus en collaboration avec la Française des Jeux. Oh, génial! Un crédit de 10 euros offert pour toute nouvelle inscription. Je pense que non, c'est pas un code unique. Avec le code prescription lab 10, si ça vous intéresse. Et vous avez jusqu'au 20 février pour bénéficier de l'offre. Et j'ai ensuite ceci, prescription lab et pour de bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour de bon vous offre un chèque cadeau. Donc vous avez un chèque cadeau de 20 euros offert pour toute commande minimum de 50 euros. Donc c'est plutôt un code promo, hein. C'est pas un chèque cadeau. Un chèque cadeau, il n'y a pas de minimum d'achat normalement. Hein. Avec le code PILAB20 et c'est valable jusqu'au 30 avril. Je pioche ensuite un produit de la marque Énergie Fruits. Alors ça, je sais d'ores et déjà que ça va en faire râler plus d'une. Moi je suis contente personnellement, c'est un shampoing sec. On en a toujours l'utilité. Et donc là, moi, j'ai parfum Yuzu. Pourquoi pas? Oh, je suis triste. Oh, vous aviez la possibilité de recevoir le parfum Monoi, le rose. J'aurais préféré, hein, franchement. Bon, rituel d'application, ok, je vous le dis quand même. Vous vaporisez à 20 cm de vos racines. Vous laissez les poudres minérales absorber l'excès de sébum. Et vous brossez vos cheveux pour retirer les poudres blanches. Le tour est joué. Je ne sais pas si je peux sentir l'odeur comme ça. Ouais, ça sent bon. Pourquoi pas? Bon, j'aurais préféré mon oeil. Vous avez à l'intérieur de l'amidon de riz qui diminue le toucher gras et matifie tout ça. En plus, elle aide à démêler les cheveux, à les assouplir et à apaiser le cuir chevelu. Et vous avez également de l'huile de graines de jojoba. Cette huile est riche en acide gadoléique, limite la production de sébum de votre cuir chevelu en le nourrissant et en le protégeant de la déshydratation. Ok, pour finir, j'ai un produit de la marque Prescription Lab. On a toujours un produit de la marque hein, dans cette box. Oh, génial! J'ai le gel douche câlin à la fleur d'oranger et calendula. J'adore la fleur d'oranger. J'en suis très 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 contente. Format full size de 200 ml, comme tous les produits de la marque hein, qu'on reçoit dans cette box. Vous aviez la possibilité de recevoir un démaquillant lacté visage et yeux. Alors, c'est un tout petit. Calendula et camomille, je crois. Le gel nettoyant visage fleur d'oranger. Je l'ai déjà testé, il est génial. Vous aviez également soit la possibilité de recevoir celui-ci ou l'huile de douche à l'huile de chanvre. Ou encore le baume démaquillant à l'huile de coco et matcha. Ouais, c'est ça, matcha. Le baume démaquillant à l'huile de coco, j'avais déjà reçu, je ne l'ai pas super apprécié. Il me restait beaucoup de matière, beaucoup de maquillage après, donc c'était plutôt un flop. En tout cas, contente de recevoir ce produit. Et ben, vous savez quoi? On va le sentir de suite. Ça sent extrêmement bon. J'adore la fleur d'oranger, c'est une des odeurs que je préfère. Oh là là, j'en suis très 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 contente. La présentation de la prescription lab du mois de janvier est à présent terminée. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires. Dites-moi également ce que vous avez reçu comme produit et si vous en connaissez certains, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie et puis nous on se retrouve très très vite promis pour de nouvelles vidéos. Je vous fais tout tout plein de gros bisous. Avant de vous quitter, j'ai sorti la vidéo Bonne année 2022 et à ce sujet, j'ai donné le nom du gagnant du concours de la Glossy Box du mois de décembre. Donc du coup, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, allez la voir de ce pas parce qu'en tout cas, pas plus tard qu'hier soir, j'ai regardé les commentaires et la gagnante n'a pas encore vu. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.